Oui, 5 ans, hein, putain. Ça, c'est l'appel aux marins. Alors là, nous sommes sur le Wetsus, à 15 000 à peu près de notre port d'attache. Et bon, ben, nous sommes au mouillage avec le canon de lumière allumé derrière. Et puis bon, l'heure de jeter le filet arrive. Donc ça se passe toujours entre 4h30, 5h du matin, avant le lever du jour. Et en fonction de ce qu'on a à la lampe, on attend plus ou moins par rapport au tonnage, c'est surtout ce qui est important. Quoi. Le plus intéressant pour nous, c'est qu'il y ait le plus de poissons possible. Et là, vraiment, d'après ce que je vois au solar, il devrait y avoir 4 ou 5 tonnes, si tout se passe bien, mais ça. La pêche au lampareau, c'est un vieux métier qui se perd d'ailleurs. Il reste plus que 2 bateaux pour vendre. On est 2 et puis 3-4 bateaux au Barcarès, alors qu'avant nous étions 45 et 50 lampareaux. Bon, les enfants n'ont pas suivi, ouais. Un métier difficile aussi, hein, c'est difficile de vivre que du lampareau, c'est saisonnier. Mais ma foi, on fait avec quand on l'aime. Hein. On ne voit pas ce qu'on pourrait faire d'autre. La cinquantaine approche. On finira la carrière au lampareau. On a pris la succession et on s'aperçoit que c'est difficile. Hein. C'est difficile. Il faut forcer pour s'en sortir. Si on traîne un peu la patte, c'est très 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 dur. Comme je vous disais tout à l'heure, si on n'a pas calé à la lampe, il faut se démerder autrement pour mettre du poisson en bord. Donc on essaiera de trouver une tâche dans la journée, si c'est beau temps. Mais il faut travailler. Surtout que la saison est courte. Et puis pendant la saison, on a des journées de mauvais temps, de plus en plus d'ailleurs. Donc on perd pas mal de journées. Regardez, on est déjà le 11 ou le 12 août. Et on a quoi? Je crois qu'on a mis 5 tonnes de sardines à terre. Alors que pour s'en sortir, il nous faut 80-100 tonnes de sardines dans le mois. Donc on a à peu près une vingtaine de jours pour attraper le coup, mais ce sera dur. On fera ce qu'on peut. C'est un métier qu'on pratique avec des filets très 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 fragiles, très fins. Donc il ne faut pas de mer. Il ne faut pas de houle, quoi. Surtout pas de courant. Parce qu'on arrive à avoir des courants de 1 nœud, 5, 2 nœuds. C'est énorme, donc on ne peut pas jeter les filets à l'eau. Et on est tributaire du temps. Si on a le vent et le courant, on sait que là, c'est foutu. Il faut pas de courant, pas de vent. Une mer plate. Ce qui va se passer, c'est qu'on va lâcher le canon lumière, il va s'écarter doucement, on va virer l'ancre de manière à être dégagé, quoi, et on va encercler le canon de lumière. Donc faire un tour, cerner le canon de lumière, le plomb descend avec un système de treuil et d'anneaux, ça se referme par dessous, et puis bon, tout ce qui est dans le filet, ben, logiquement ça doit passer à bord trois quarts d'heure après. Trois quarts d'heure, une heure maximum. On est 8 à bord ce soir. Enfin, les bateaux tournent à peu près à 8, 9, 10 bonhommes, pas plus. Mais c'est quand même pas mal. Pour nourrir 10 familles, il faut pêcher énormément. Mais il faut ce monde-là à bord, parce que bon, quand vous pêchez 2, 3, 4 tonnes de sardines, c'est pas énorme, ça sortirait à 5, 6 bonhommes. Mais si vous faites une jolie calée
10-15 tonnes. C'est un produit fragile. Même s'il est bien conservé, on amène beaucoup de glace, on conditionne le poisson autrement qu'avant. Mais par rapport à la chaleur, si vous embarquez 15 tonnes de sardines, il faut un équipage au top, quoi, et au minimum 8-9 bonhommes. La nuit est finie, la journée est finie, moi. Retour au bercail, ce soir de nouveau, eh ben, à 10h30, 11h à bord. Les météos sont pas trop bonnes par contre ce soir. Alors, ce sera peut-être encore une nuit de perdu. Et puis en espérant que ce soit au moins égal à la nuit précédente.